tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album Enveloppe. Donc rappelez-vous, dans la précédente vidéo nous avions fait ensemble le montage des enveloppes entre elles et après nous avions mis le papier. Donc voilà, ça donne ceci avec des rabats un peu partout. Voilà, et ici donc la tranche qui va venir se coller sur la cartonnette. Donc dans cette vidéo-là, aujourd'hui, nous allons faire la structure, coller les pages sur la structure et peut-être mettre le papier sur la structure et on verra si on s'arrête là ou si on continue. Donc, vous m'avez déjà vu plusieurs fois faire des structures, je vous les ai déjà faites comme je fais moi, pas à pas. Donc je ne veux pas vous refaire pas à pas, je vais vous mettre en accéléré. Et du coup, j'ai pris de l'avance. Donc, j'ai coupé ma cartonnette. Pareil, pour les débutants, je vous ai déjà parlé de la cartonnette dans une précédente vidéo, là où je trouve la cartonnette. Je vous ai déjà parlé de la cartonnette alimentaire, les gros calendriers qu'on trouve dans les banques, etc. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Donc, j'ai coupé 3 morceaux de cartonnette, 2 identiques qui font 17,5 sur 17,5. Donc j'en ai coupé 2 et j'ai coupé la tranche de 17,5 sur 4,5. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, à l'arrière, je suis venue mettre du scotch double face, du scotch à moquette. Je vais y arriver. Vous savez, là, je vous en ai sorti un neuf, c'est celui-là que j'utilise, c'est celui qu'on trouve chez Action dans le rayon bricolage, où il y a le scotch de masquage, les pinceaux pour la peinture, voilà, c'est celui-ci, je ne sais plus trop le prix, je ne pourrais pas vous dire, voilà, c'est celui-là, donc ça donne ça, quand il n'est pas dans son emballage, ça donne ceci, voilà, et je le trouve très très bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je ne sais pas si ça se dit. Bref, je suis venue dans un bloc toujours de chez Action. Celui-ci, là, vous savez où c'est que vous avez les 3 couleurs blanc, craft, noir, avec à chaque fois 2 grammages différents. Je suis venue prendre 2 feuilles blanches, les plus fines, voilà, pour les structures, pour recouvrir la cartonnette. Moi, j'utilise toujours du papier fin. Vous pouvez le faire aussi avec du papier plus épais, mais enfin, moi, je sais que ça gondole, j'y arrive pas, ça craque, enfin, voilà. Donc, j'ai pris 3 feuilles que je suis venue relier entre elles avec du double face rouge. Ça, vous m'avez déjà vu le faire. Voilà. Si vous n'avez pas de double face, vous pouvez bien évidemment les relier à la colle. Vous faites un fin trait de colle tout le long. Vous venez coller la feuille dessus. Vous attendez que ça sèche et ça marchera tout aussi bien. Une fois que j'ai fait ceci, là, je vais me mettre en accéléré et je vais venir coller la cartonnette. Je vais utiliser mon set de reliure, oui, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Craftelier. Ça, je peux plus m'en passer, je l'adore. Voilà, je vous en ai déjà parlé aussi. Hop, voilà. Donc là, je vais me mettre en accéléré. Comme je vous dis, vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois des structures. Donc, c'est parti, je fais ma structure et on se retrouve après.
Donc, ma structure, enfin ma cartonnette sur mon papier blanc. Je ne sais pas si dans l'accéléré vous allez le voir, mais au début j'ai eu un petit souci. En fait, j'avais enlevé une bande de protection du double face et ma cartonnette est venue se coller de travers sur mon papier. J'ai réussi à décoller. J'ai pas déchiré le papier, pourtant il est fin. Ça va, j'ai réussi à m'en sortir. Je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré, mais j'ai eu quelques petits soucis. Ensuite, je vais venir recouvrir ici. Donc, pour cela, je vais prendre, cette fois-ci, toujours dans le papier blanc, j'espère, oui, j'en ai assez. Je vais prendre, cette fois-ci, une feuille du papier le plus épais. Je vais même en prendre deux, je pense que j'en aurai besoin de deux. Voilà. Donc, sachant que ma cartonnette fait 17 et demi, je vais venir couper deux carrés à 17. Donc, je vais venir couper deux carrés à 17 sur 17. Voilà. Deux carrés de 17 sur 17. Donc, le premier. 17 sur 17, voilà. Donc là, j'ai mes deux carrés de 17 sur 17 et la tranche, donc je vais la couper sur 17. Et alors, soit je laisse le papier là. Dans son entièreté, soit je viens de la recouper. Alors ma tranche fait 4 et demi. Si je laisse là j'ai 13, c'est beaucoup hein. Donc 4 et demi, si je laisse ça fait 6 et demi, 6 et demi, 8 et demi. Allez, je vais couper à 10. J'aurais pu très bien laisser hein. C'est pas un souci. J'aurais pu laisser. Après, j'ai peur que ça fasse de trop de surépaisseur. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc après, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir coller ce que je viens de couper. Donc ça, c'est des chutes. Hop, ça, c'est des chutes que je garde. Je vais venir coller donc ces morceaux, ces trois morceaux-là que j'ai coupés pour recouvrir ma cartonnette. Donc je vais commencer par la tranche que je vais venir coller comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller mes papiers, mes deux carrés de 17 par 17 comme ceci. Voilà. Donc je fais ça hors cam et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai tout recouvert de papier. Et maintenant, je vais m'occuper de coller donc ma tranche qui est ici. Je vais venir la coller ici. Ici, là, ce que vous voyez qui brille, j'ai mis du double face, vous voyez, ça colle, pour que ça prenne plus vite. Voilà, j'ai un peu peur que ça soit long à sécher. Et bref, bon, c'est pour que ça prenne plus vite, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, attendez, j'arrive. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai remonté parce que vous ne voyez pas, j'étais plus dans le champ. Alors, pour moi, je vais coller à la colle. Pour que ici, là, ici c'est ma tranche, pour que tout soit bien droit, bien plat, je suis venue, vous voyez, je le mets debout et je viens appuyer, alors doucement, hein, pour que toute ma tranche se mette bien droite ici et je vais venir mettre de la colle. Alors moi j'ai sorti ma colle Takiglu Turbo, oui, Turbo, j'en ai quasiment plus. Alors j'espère, sinon je prendrai la Takiglu de chez Craftelier qui est très très bien, hein. Mais c'est vrai que celle-là, elle est quand même. Voilà. Et donc, je vais bien en mettre partout, partout, partout. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment d'en mettre partout, partout. Parce qu'en fait, toutes vos pages, là, tout votre bloc de pages, là, qui a quand même un certain poids, va tenir au final sur cette tranche-là. Il n'y aura que ça qui va le maintenir. Donc, il faut vraiment, vraiment. Mettre de la colle partout. Vous voyez, moi, je n'hésite pas à l'étaler au doigt pour qu'il y en ait vraiment de partout. C'est important. Après, si votre bloc se détache, vous pouvez toujours le recoller. Mais voilà, c'est embêtant. Et surtout si bah, vous voulez l'offrir à quelqu'un et que ça se détache, voilà, c'est pas top, top, top. Alors, non, faut que je tire vers moi. Donc, une fois que j'ai fait ceci, donc, je vais venir coller tout ce bloc sur ma tranche. Non, attendez, là ce coup-ci, je vais vous rabaisser. Voilà.
Je vous ai remis à la position originale, d'origine. Donc, je vais venir me centrer sur ma tranche. Donc, je fais bien attention. Donc, comme je vous dis tout le temps, je prends mon temps. Je viens mettre donc tout mon pavé là, bien au centre. Je fais attention, je prends mon temps, je ne me précipite pas. Et une fois que je suis bien, non, ben vous ne voyez pas. En fait, voilà, je viens appuyer. Je viens appuyer tout ça. Voilà. Et je n'hésite pas. Ah mince, j'ai de la colle là. Voilà. Je n'hésite pas à ouvrir, à venir appuyer au centre là pour que tout prenne. Et en fait, mon double face que j'ai mis va aider à ce que ça colle plus vite. Je vais pouvoir le manipuler plus vite. J'ai juste le dernier là. Alors, voilà, là j'ai juste le dernier ici. Il faut que ça prenne. Donc vous voyez, je n'hésite pas à me mettre comme ceci, à appuyer pour que ça vienne prendre. Voilà, comme ceci. J'hésite pas. Donc, je regarde si j'ai pas du surplus de colle qui dépasse de chaque côté. Donc là, si c'est le cas, je viens l'enlever de suite. Ouais, là, j'en ai un petit peu. Hop, je viens l'enlever de suite. Donc là, je regarde. Je sais pas si vous allez voir, voyez là, j'ai un petit écart. Voyez ici, j'aurais pu me centrer un peu plus par là-bas. Bon, ça choque pas. Ça va. Ça va. Voyez, j'ai un petit écart, sachant qu'on va décorer après l'intérieur ici. Bon. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux que ça prenne. Malgré le double face que j'ai mis pour être sûr que ça prenne, je veux quand même que ma colle prenne bien. Si vous le faites en même temps que moi je vous invite à le caler comme ça. Puis de le laisser toute la journée. Voilà, vous essayez de le caler comme ceci. Voyez? Je sais pas, vous le mettez contre un mur avec quelque chose qui vient le refermer. Voilà, pour vraiment, avec le poids des pages qui se tasse sur le fond, hein, qui se tasse ici sur le fond, et que la colle prenne correctement. Voilà. Donc, eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce partage, alors j'ai toujours tendance à dire tuto, mais j'aime pas. Bref, que ce partage vous aura plu. Donc on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Donc on viendra décorer notre structure à l'intérieur, à l'extérieur. Pour le système de fermeture, j'avais bien envie de rien mettre. Voilà, de le laisser comme ça. Je le fais très rarement. Mais là, voilà, j'avais bien envie de ne rien mettre du tout. On viendra, vous savez, dans la collection, il y a des petites cartes. Il y a deux pages avec plein de petites cartes, avec des paysages. Donc moi, je vais venir toutes les découper au massicot et je viendrai, comme j'avais fait dans mon précédent album, je vais venir, alors je fais ça délicatement, alors pas sur la première, mais par exemple, en venir en coller, vous voyez rien, en une là, une au milieu. Ça fait des, vous savez, vous mettez de la colle que en bas et ça fait des cales photos. Et ça habille les pages de notre album. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez regardée en entier, je vous en remercie. Pensez à caler votre album pour qu'il prenne. Donc, je vous dis à demain pour la suite. Je trouve plus mes mots. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit like, ça me fera très plaisir. Un petit commentaire et on se retrouve demain pour la suite. Bye bye, prenez soin de vous.